nous condamne sous des prétextes fallacieux. Parce qu'ils veulent nous faire taire, comme ils veulent faire taire les gilets jaunes, comme ils veulent faire taire les gens qui se battent pour enfiler avec M. Macron sa gestion criminelle. Prenez notre journal, camarade. Ils veulent interdire. On a 5 procès sur le dos, on a fait l'objet d'un complot d'État. C'est un petit taureau, c'était possible. Arrête de défendre la liberté de la presse, la liberté livresque. Et on se regroupe, on s'unit, madame. C'est ça qui manque aujourd'hui, c'est une force organisée. Ouais, canadienne. Présent en examen, mais le premier ennemi, les Big Pharma et Monsieur Macron, Union. Action. Révolution. Et si vous avez rajouté 5 euros pour prendre le livre, si vous pouvez. Je le connais, ce livre. Le complot d'État de Macron. Vous l'avez déjà pris? Oui, les rouges, j'ai fait la Fernandez. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ça y est, ouais. Toi, nous laisser. Tenez, je vous le passe. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Ouais. En plus. C'est pour vous. Ouais, voilà, révolte jeune, l'avant-garde, tous avec la jeune garde. Pour aller 1 million à l'Assemblée. C'est ça qu'il faut. Merci. Ouais, à votre service, madame. Merci à vous. Ouais, mais c'est... Ah oui, mais c'est lui. Je viens de le prendre, oui. La vérité. Mais le titre, c'est 5 euros, est-ce que ça t'est possible? Je la connais. Tu l'as déjà eu? Oui. Tu veux le dernier numéro du journal? Je viens de le prendre. Ah, merci beaucoup. Non, non, ça va, hein. Merci, à bientôt. Thank you.
Thank you.